Et nous retrouvons Jean-René Godard qui, il y a quelques instants, interviewait Lance Armstrong à qui il demandait ses impressions. Écoutez. Lance Armstrong, quel est votre bilan à la fin de ce Tour de France 2002? Le bilan, c'est un tour pas facile, comme tout le monde demandait. Ah, c'est facile, c'est pas de problème, c'est pas de crise. C'est crise, mais c'est dur le tour, c'est toujours dur. Mais cette année, l'équipe, toujours avec moi, pas toujours, mais... Quand il le fallait. Oui, beaucoup de temps avec moi dans la montagne. L'année prochaine, 2003, vous allez tenter encore de gagner le Tour de France pour égaler le record des 5 victoires. J'en ai... c'est pas possible pour dire une chose comme ça. Au moins espérer. Non, j'ai parti le Tour de France 2003 en Paris. Mmh. Centième Tour de France. Centième édition. Oui, ouais, centième édition. Mais c'est impossible pour dire j'ai gagné le Tour de France. Et aussi, je ne voudrais pas pour dire une chose comme ça. Je fais mon maximum. Je fais l'entraînement, je fais le stage, je fais la préparation mentale. Et j'espère. Mais c'est le Tour de France, c'est 3 semaines. C'est beaucoup de choses, de malchance, de malagre, c'est des chutes, c'est... Et voilà, c'est le tour.